Zlatan, critique, télé-réalité, Laura et Lozina s'expriment après leur rupture. Parmi la série de séparations qui a frappé le milieu de la télé-réalité, la rupture soudaine entre Nicolas Lozina et Laura Lampica est celle qui a le plus choqué les fans. Après des années de vie commune et la naissance de Zlatan, le couple emblématique a décidé de se séparer. Si Laura avait précisé dans un post Instagram qu'il préférait avancer séparément, tout en élevant leur fils dans les meilleures conditions, des raisons moins conventionnelles ont fuité. En effet, selon certains blogueurs, Laura aurait été infidèle, lassée du comportement immature de son mari Nicolas Lozina. Aujourd'hui, les prochains divorcés souffrent toujours de la situation. En particulier Nico, très critiqué pour avoir quitté Dubaï. La veille de son anniversaire, soit le 6 janvier dernier, le chef du RDM a quitté précipitamment son domicile aux Émirats Arabes Unis pour rejoindre ses proches et sa famille en Belgique. Après avoir fêté son anniversaire comme il se doit, le Lord a accusé le coup. Point. Très affecté par sa rupture avec Laura, Nicolas a annoncé quitter les réseaux sociaux, « Je n'arriverai pas à reprendre mes réseaux et faire comme si de rien n'était. Je préfère m'effacer un peu quelque temps. » Guillaume. Ce week-end, Nicolas Lozina a posté une photo de Zlatan. « Je t'aime mon fils, tu me manques tellement. Je n'ai pas trop le moral aujourd'hui. Ce n'est pas la grande forme. Désolé les amis. » Virgule a-t-il écrit. Mais cela n'empêche pas le jeune papa de recevoir un flot de critiques sur le fait de laisser seul son fils âgé seulement de 2 ans avec sa maman. Alors, il se justifie sur le fait de ne pas revenir à Dubaï, « Je ne peux pas malheureusement pour l'instant. » Point. Si vous ne le savez pas, les vols pour Dubaï, ce n'est pas un Ryanair Charleroi-Marseille en 50 minutes. Je dois travailler en Belgique et concrétiser mes projets pour lui assurer un avenir justement. Guillaume. Et lorsque les internautes lui font remarquer que Zlatan pourrait lui reprocher cette longue absence, il s'agace, « Vous comprenez que j'avais besoin de souffler après ma séparation, que j'avais envie de voir ma famille que je n'avais pas vue depuis longtemps. J'ai Zlatan tous les jours au téléphone. Il a une maman exceptionnelle qui s'occupe de lui. Même sa mamie est là. Mon fils est habitué à mon absence à cause des tournages. Foutez-moi la paix. Off, je n'en peux plus là. » Guillaume. Data Ivramodiv. De son côté, Laura a immédiatement démenti les rumeurs de tromperie. Elle aussi répond aux critiques sur l'absence de Nicolas, « Zlatan a l'habitude d'être éloigné de son papa avec les tournages. Il l'a tous les jours au téléphone et cela se passe très bien. Il va bientôt le revoir. » Mais il y a une question qui taraude ses abonnés et qui revient souvent dans ses DM. Pourquoi Laura porte-t-elle toujours sa bague? Enfin, elle répond, « Certains jugent le fait que je la garde. Beaucoup me disent que je devrais l'enlever. Si je l'avais retirée, on aurait dit, eh ben, elle n'a pas perdu son temps là. Je le garde, on me dit, tu devrais l'enlever, je n'ai pas à penser directement à ça. Car nous sommes en bon terme. Je n'ai pas besoin de l'enlever pour montrer quoi que ce soit à qui que ce soit. » Guillaume. Suite à leur rupture, Nico et Laura vont donc déménager de leur immense villa de Dubaï. Alors, quel avenir pour les parents de Zlatan? Nous restons vivre à Dubaï chacun de notre côté. Nous sommes très heureux. Et, surtout, notre fils vit parfaitement bien ici. Il est épanoui, en sécurité et le niveau scolaire est exemplaire. C'est le principal pour nous. Nous souhaitons le meilleur pour Zlatan, précise-t-elle. Quant à son avenir en télé, la candidate découverte dans Secret Story 11 en 2017 annonce, « Le cross, c'est fini pour moi. »